Good morning, Aleiden. Les tutors aujourd'hui, les fois Traya Esther, Bat Miriam, les Loïnish Matrivka, Bat Sarah, Rachel, Bat Sarah. Alors, c'est vrai, Menem, Asim Khazra, Bat Mazato, Shishvortish, Carol, Shoshana, Bat Marie Miriam, Adèle, Bat Sol, Tarab, si vous souhaitez, et Chaim, Bat Esther, Lachmi. Si vous souhaitez, on se dit une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra, Perik Vav, Mishnah, Hey! Mishayesh lo bor lifnim mi beito shel chavero. Nichnas besha shederech bne adam nichnasin, ve yotze besha shederech bne adam yotzin. Veno machnis behemto umashka mi boro ela memale umashka mi bachutz, ve ze ose lo potachat, ve ze ose lo potachat. Mishna, très simple, on lit, on traduit, on explique directement. Mishayesh lo bor lifnim mi beito shel chavero. Celui qui avait un puits à l'intérieur de la maison de son ami. Soit à l'intérieur de la maison, de la cour, peu importe, de la propriété de l'un. Quelqu'un avait un puits à l'intérieur, il n'avait rien à faire avec ce puits qui se remplissait d'eau, et ça ne lui servait à rien du tout. Et il a vendu à son voisin, en lui vendant un droit de passage, soit parce que tacitement ça lui revient de droit, soit parce qu'il lui a vendu expressément, il lui a vendu un droit de passage à l'intérieur de son champ. D'accord ? Ça, ça vous rapporte à mon Pérec d'Alet. Je ne me trompe pas, est-ce qu'il y a besoin de préciser que l'on vend ou non un droit de passage, parce que c'est tacitement inclus. En tout cas, c'est le sujet de notre Mishnah. Donc finalement, Reuven et Shimon, Reuven c'est le propriétaire de la grande maison, de la grande demeure. Au milieu, il y a un puits qui appartient à Shimon. Shimon a un droit de passage de la maison de Reuven pour arriver à son puits. D'accord ? La question c'est, quand, de quelle manière Shimon doit-il entrer ? Est-ce qu'il peut venir à toute heure taper ? Sonner les cloches ou non. Alors la Mishnah nous enseigne Nichnas Besha'ash Derech Bene Adam Nichnasin. Il rentrera dans son puits, il ira à son puits Besha'a à l'heure chez Derech Bene Adam, que l'usage des hommes est d'entrer. Veyotse Besha'a chez Derech Bene Adam Yotsin. Et il sort aussi à l'heure où c'est l'usage des hommes de sortir. C'est-à-dire, il y a des heures où il y a des lieux de passage. Si on peut avoir la visite de quelqu'un qui vient à la maison pour quelconque raison. Supposons qu'à partir de 9h du soir, il n'y a plus de les visites, on commence à mettre un terme, jusqu'à 9h30, tout le monde est sorti de la maison, on commence à se mettre en pyjama. Eh ben, à partir de 9h30, de 9h ou de 9h30, tu n'auras plus le droit de rentrer dans ton puits, ou tu devras sortir du puits aussi. Ça, c'était la première condition. Deuxième condition encore, « Veno machnis bemto mashka ». Il n'aura pas le droit de faire entrer son animal pour la faire boire, la breuver, les hachkotes. Mashke, une boisson, donc l'abreuver. Ou mashka miboro. Et non machnis bemto ou mashka miboro. Il n'aura pas le droit de faire entrer son animal pour lui faire boire depuis le puits. Elle a même allé, mais il remplit, entre parenthèses, un seau. Ou mashka mibachutz. Et il l'amène et il la fait boire dehors. C'est-à-dire, je ne te fais pas rentrer ma belle vache dans ta propriété, je la laisse dehors, moi je l'amène à un seau. Et je l'amène à boire. Et aussi, troisième condition, veze oselo potachat, veze oselo potachat. Et celui-ci lui fait un cadenas, et l'autre lui fait un cadenas. Vous allez être très étonnés, c'est très sympathique. Veze oselo potachat, donc, tout d'abord, le premier et l'un lui fait un potachat, une ouverture, c'est-à-dire en fait une fermeture, un cadenas, et l'autre lui fait un cadenas. La porte de mon puits, ouais, qui est chez vous. Donc ma porte, je ne vais pas parler de moi parce que ça va être un petit peu vicieux. Je préfère parler de deux personnes. D'accord. Un fait un cadenas, donc le propriétaire. On comprend bien pourquoi le propriétaire fait un cadenas à son puits, c'est logique. Comme ça, lorsqu'il n'est pas là, le propriétaire du puits fait le cadenas, met le cadenas, comme ça, lorsqu'il n'est pas là, le propriétaire de la maison ne va pas en cachette venir lui chiper de l'eau. D'accord ? Un puits, ça remplit une certaine quantité, ça stocke une quantité par jour. Il n'a pas envie qu'il lui réduise, qu'il lui vole son eau. Ça, c'est logique. Mais le problème, c'est que la Mishnah nous enseigne aussi que même le propriétaire de la maison fera lui aussi un cadenas au puits pour limiter le va-et-vient. Donc, on déduit que c'est pour limiter le va-et-vient du propriétaire du puits. C'est-à-dire, si on a Reuven et Shimon, Reuven, on a dit, c'est le propriétaire de la maison, Shimon, c'est le propriétaire du puits. Donc, première partie de la Mishnah nous dit, Vezo, c'est le potachat, Shimon met un cadenas, comme ça, Reuven ne lui vole pas l'eau. Mais même Reuven fait un cadenas, comme ça, donc, Shimon, nous, comment vous l'expliquez ? Bonne question. L'Agma explique que c'est un problème vicieux.
il faut éviter, on va le dire proprement, le fait que Shimon doit se soucier que, c'est Reuven plutôt que moi, Reuven doit se soucier que Shimon ne puisse pas venir à la maison pour puiser son eau lorsque Reuven n'est pas lui-même présent pour ouvrir son cadenas, de telle manière à ce que, alors ça peut être dit, c'est marrant, je sais pas, quand j'avais étudié la Gemara pendant longtemps, je pensais que c'était beaucoup plus vicieux, et finalement j'ai découvert qu'un émoqué Yosef qui le dit de manière beaucoup plus douce. La Gemara dit, Mishum Chshad Ishto, les soupçons de sa femme. Soit, moi personnellement, comment j'avais étudié, je ne sais pas si je l'ai vu écrit ou si j'ai directement mal interprété de cette manière, mais en tout cas, vous imaginez bien la scène, il ne faut pas qu'il y ait des excuses pourquoi il y a un homme étranger qui se retrouve dans une maison pour réparer le mur, pour réparer, pour venir chercher son eau. De telle manière à ce que, s'il y a un homme étranger qui rentre, il n'a rien à faire lorsque le propriétaire de la maison n'est pas là. C'est lui le propriétaire, c'est Reuven qui a la clé. Donc ne viens pas me raconter que tu es venu prendre de l'eau chez Chas v'Shalom, aller savoir ce qui peut se passer ou ce qui ne peut pas se passer. Tu ne mets pas les pieds chez moi quand moi je ne suis pas là. Tu es dépendant de moi, j'ai le cadenas. Comme ça, moi j'avais compris. Quelque part, cette explication, ça lie un petit peu la femme. Peut-être que c'est pour ça que Nemo Kevesed explique ça de manière beaucoup plus pure. Honnêtement, on n'a que des gens purs, que des gens honnêtes. Chas v'Shalom, il n'y a aucune avéra qui se passe. Lui, il vient prendre son eau et le truc. Le problème, c'est les voisins. Ils vont voir un étranger entrer dans la maison, un petit peu trop fréquemment. Monsieur part à 9h au travail. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient de 11h à midi. Il ressort avec des seaux, certes. Les gens, ils vont commencer à soupçonner, aller savoir jusqu'où ça peut aller. Ils vont commencer à dire les enfants, c'est pas forcément les enfants. La halouette. Fais-moi, mets-toi une clé, comme ça au moins il n'a rien à faire chez toi quand toi tu n'es pas là, et c'est le principe de la Mishnah, d'accord? Comme ça, les Nemo Kevesed l'explique purement. Beshash ebne Adam nirnasin. Purement parce que, en réalité, les gens, le bon juif, il est pur. Le problème, c'est les ragots. Les juifs aussi, ils aiment les ragots. Qu'est-ce qu'on peut faire? Beshash ebne Chazushalom, je fais du Lachanara sur tout le peuple d'Israël, Khalila, de faire un truc pareil. Enfin, Beshash ebne Adam nirnasin. Il entre lorsque les hommes entrent. Ouais, c'est la première condition de la Mishnah. Tu entres dans les heures normales où les gens entrent chez eux, conventionnelles. Donc, Beshash ibn Adam Nichnasim, c'est quoi? Bayom, le jour. Mais le Roshat Rihul, la mode Balayla, tu ne débarques pas à minuit et tu n'en pouvais plus, tu avais très soif, tu commences à lui taper à la porte. Ouvre-moi, c'est mon puits, c'est mon eau. Tu dis, oh, reste tranquille, reviens demain matin. Crève de soif pendant ce temps. D'accord, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, en tout cas, ce n'est pas une solution de partir taper chez le voisin. Et une très précision quand même intéressante, c'est rapporté dans le Tosafot Yom Tov au nom du Yémoké. Vous savez de nouveau que par contre, si moi j'ai une pièce, j'ai une maison à l'intérieur de la maison, là, l'usage est d'entrer à la maison chez soi, même la nuit tard, peut-être que je reviens de voyage, à minuit et que je veux rentrer, dans ce cas-là, j'aurai le droit de taper chez lui à la porte pour entrer même la nuit pour aller dans ma pièce qui est à l'intérieur de chez eux. D'accord, c'est rapporté dans le Yémoké ici. Ensuite, Vezeoselo Potafat, c'est l'histoire des cadenas, du double cadenas. Alors, que Shimon y fasse un cadenas, c'est pourquoi chez Loïgnov, Bala Bait Memeboro, afin que le propriétaire de la maison, donc Reuven, ne lui vole pas l'eau de son puits. Ou Bala Bait Oselo Potafat, idem aussi que le propriétaire de la maison, chez nous, alias Reuven, lui fera lui aussi une Potafat Acheret, un deuxième cadenas, Beoto Petachapatuach Lechatzer, sur cette même porte qui relie le puits à la cour. Pourquoi? Potor là-bas. Shelo yuchal lavo lishov belo da'at ba'al ha'bayit. De telle manière à ce que le Shimon ne puisse pas venir puiser sans l'accord du propriétaire, donc Reuven. Belo yavo leolam beveto. De telle manière à ce qu'il ne viendra jamais chez lui, chez le ba'al ha'bayit, du propriétaire de la maison. Ela imken yeshno le ba'al ha'bayit beveto. Uniquement lorsque Reuven est lui-même chez lui à domicile. Et à cause des soupçons de sa femme, on a fait cette takana. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov Sera.